Bonjour à tous et à tous, ici Luthi, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie du grand The Fichou. Comment ça va, Fichou? C'est Luthi, bah au top, hein, franchement, nickel. Au top. Nickel au chrome. Nickel au chrome. Donc on va faire ce bras de fer que tu n'as pas fait toi non plus encore. Non, je l'ai pas encore fait, ouais. Donc qui s'appelle Ketun et le chaudron magique. Alors attends, parce que on voit tes trucs de Skype. Hop, je vais régler ça, bah, c'est bon, parfait. Alors, qu'est-ce que tu sais de ce bras de fer? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, je sais uniquement ce que tu m'as expliqué il y a deux minutes. C'est-à-dire, exact. On prend une classe et toutes les cartes random, enfin toutes les cartes sont random dans le deck et c'est des cartes de The Old Gods, tout simplement. Ouais, ouais, donc du coup ça va être un des decks faits autour des dieux très anciens. Donc peut-être que si tu joues druide, ils vont te mettre un deck Yasharaj et tu vas être dans la merde. Ça marche. Peut-être, hein. Bon, les classes, donc, on se les dit pas, on prend au hasard. Ouais, vas-y, vas-y. Enfin, au hasard. Donc, au hasard. Moi je prends la meilleure. Moi j'ai lu sur Twitter que c'était la meilleure. Stratégie bien élaborée, évidemment. Évidemment. Depuis des années. En vrai, du coup, ça va jouer presque au skill. Si tu perds, on peut dire que c'est triste pour toi. Ouais, si je perds, on peut clairement dire que je suis beaucoup moins fort. On peut le mais dire. Vraiment, je suis pratiquement médiocre même. Pratiquement médiocrité. Quel grand état. Oh, tout. Bon, moi j'ai une main de départ. Attends, mais c'est sûr que c'est des. Bah, c'est pas que The All Gods en fait, hein, parce que là j'ai jongleur de couteau donc. Non mais est-ce que c'est sûr que c'est pas des decks qu'on a? Parce que j'ai l'impression que c'est pour l'instant les 4 cartes de ma main, c'est des cartes que je joue dans un vrai deck. Mais moi aussi, mec, genre j'ai un fucking zoo parfait déjà dans la main là, ça n'a aucun sens. Oh mon dieu. Non mais même en construit j'ai pas des mains comme ça. Renforcez vos armées avec d'innombrables serviteurs de dieux très anciens et envahissez le plateau avec des serviteurs moins chers pour submerger votre adversaire. Je suis obligé. Non, je sais pas, mais ils m'ont envoyé un message, genre je suis obligé pareil, de submerger le board. Aussi avec ça. Ouais. Submerge le board, mon frère. Utilisez les sorts généraux de mana du druide pour invoquer les serviteurs des dieux très anciens plus tôt dans la partie. D'accord, merci. En vous remerciant. Donc là, en gros, ils disent qu'il faut ramper dans Hearthstone quand tu joues druide. Oh mon dieu. What the fuck. Ça n'a aucun sens. Par contre, moi j'ai pas la meilleure. Pour préparer l'aventure pour que les nouveaux joueurs puissent. Peut-être, ouais. Puisse comprendre que c'est ça. J'ai pas le meilleur Starter par contre. Ok. J'aurais pu faire ça, les gars, mais c'était pas sexy. Oh mon dieu, je top deck tellement. What? Mais c'est pas une carte de The Old Gods, ça? C'est quoi cette histoire? Ah, heureusement hein, qu'ils ont dit The Old Gods. En fait, ils l'ont peut-être même pas dit. Non, je pense que c'est juste les dieux. En fait, ils te mettent un dieu. Mais Nikomouk! Pardon, excuse-moi. Par deck. C'est vrai. Je pense que c'est ça, la thématique dieu par deck. Putain, je pourrais jamais tuer ça, sauf si je chatte, quoi. Ok, ça va chatter, mais j'aurais voulu que ça tombe vite. Deux fois, il fallait peut-être tuer la 2-3 ce tour-ci, quoi. Parce que là, tour 4, ça va faire mal. Ah, c'est compliqué là. J'aime quand tu dis c'est compliqué. Je me sens tout de suite plus rassuré. Ah, bah, ça fait pas mal ça. Donc, toi, t'as le deck Toon du coup. Ouais. Et moi, tu crois qu'ils m'ont mis quoi? Enzot avec 0 Ral d'Agonis et 0 Ral Ketun, ouais. Mais un bon Ketun en plus, hein. Enfin. J'ai l'impression que c'est vraiment basé sur. Enfin, bon, Ketun, non, ils ont mis Darnassus, mais. Ah, ça va, en vrai, Darnassus, c'est pas la pire carte. Toi, tu m'as sorti ça, là. Bah, là, j'ai. C'est pas non plus super sexy, hein. Oh là, woot woot. Alors, allez. Mikamo, Alexandro. Je sais pas si j'aurais dû trade là-dedans, je suis pas sûr. C'est sûr que j'aurais dû trade ça, mais. Et. Okay. Ok, bon, on est pas mal, hein, on attend. Tranquillou, pépousement. T'as un bon matchup quand même avec le Bah, logiquement, ouais. Oh la 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 la, synergie, mon gars. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Regarde ça, ce que je viens de top deck, what the fuck. Oh mon dieu. Mamie. Là, on est moins frais. Là, on est moins frais tout de suite. Si t'as pas le balayage. De quoi? Après, si t'as le balayage, ouais, voilà, ouais, balayage tir au port, je suis pas très frais non plus, quoi. De quoi il a dit, genre. Juste avant. De quoi? C'est genre avec le petit air de gros bâtard là. Attends. Le fourbe. Attends, qu'est-ce que j'ai du coup à te proposer? Ah, c'est pas mal ça. En vrai, c'est curvé à chaque fois. Ah, en vrai, t'es pas mal quand même. Tu fais vraiment une sortie sale. Ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est hallucinant. Peut-être que du coup, il y a un algorithme qui fait que t'as forcément une bonne sortie. Je sais pas. On verra dans le deuxième duel. Ah, ouais, ça, c'est pas dégueu ça. C'est comme quand tu joues. Tu sais, quand tu fais les didacticiels des jeux. Ouais. Souvent, à chaque fois, ils te font top decker la meilleure. Ouais, les cartes, les meilleurs trucs ever. C'est ouais. Pareil. Allez. Oh, what? Ah, non, mais là, j'ai vraiment beaucoup de chance pour le coup, je crois. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te calmer, là, mec. Hein. Non, mais vraiment là. Non, mais vraiment là. Oh non. Ok, bon, en vrai, je suis presque.
Ah, il faut vraiment piocher ses toons rapidement. Oh, le mec il... Oh non, mais sérieux. Ok, ça ignore ma créature. Putain, ça ignore ma créature. Qu'est-ce qui se passe, Luigi? Je sais pas, je l'ai pas aimé ta créature. Attends, c'est quoi ça? Oh fuck. Tu saignes pour toon? Ok. C'est pas ça avant. Ok, ça va. Au studio. D'habitude, okay. Tu trade toujours. En vrai, je suis pas fou quand même. En vrai, c'est pas 16. Ça dépend si t'as des Doom Guard. Mais je sais pas ce que c'est, mon dieu, à moi du coup. De quoi? Oh! Comment on fait? Je crois qu'on fait ça. Je pense que vu le délire, on fait ça. Non, mais sérieux! Oh, j'aurais dû le faire après! Non, mais alors. Ouais, là... Non, je pouvais pas. Si, j'aurais dû le faire après. Oh, j'aurais dû le faire après. Gros misplay. Non. Parce qu'après, il t'aurait. Ah non, il m'aurait coûté 2 de plus, donc je pouvais pas le jouer. Donc c'était injouable. Ok, non, il fallait que le couteau il face en fait, c'est tout. T'aurais dû le faire après, je pense. Non, le pire, c'est que. Je suis trop con. Non, je pensais que c'était le. Bah, je sais pas pourquoi, j'ai phasé. Non, mais sérieusement. T'as rien? Allez, t'as rien. Le mec qui tape avec BGH quoi. Ah ouais, ça c'est vrai. Oh non, ils auraient pu me faire pousser le BGH. Quand même. Ça me déconne. Alors. Ok. Oh, le mec, il a la meilleure sortie. Oh là 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 là. Les sorties de tous les temps. Oh là 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 là, ce reste létal. Non, non. Non. J'ai les fesses qu'on fait bravo. Bah bravo quand même. Allez. Vas-y, vas-y. Ah sérieux, pourquoi je fais ça? Ah bah tu l'entends son appel, mais il est pas là le monsieur. Les 8 d'armure qui font la différence. Ah je suis bien là. En vrai t'es je pas mort. Je pense que même si je suis acheté Toon, ça fait rien, il est 8-8 ce con. Faudrait qu'il ait 100%. Non, il est, en vrai il est, regarde, il est 14, il est 18-18 hein. Quoi? Il est 18-18. Ah merde, j'ai vu que le 8 moi à la fin. Faut que j'arrête l'alcool le matin. Eh regarde ça. Enfin le matin. Mamie. Mmh. Moi j'ai vu aucune carte de Zero Gold, j'ai joué un zoo. Deck, crée ce deck. Ok, est-ce que tu veux qu'on fasse une première revanche sur quand même sur cette vidéo là? Ouais, parce que là c'était un peu court. Hein. Ok, on va prendre ça. Je suis sûr que tu prendras pas ça. Non, ça te donne une information sur ce que je prends. Tu vas jouer War Dragon le gros bâtard? Non. Ah oui, non merde, c'est vrai que c'est en fonction. Oh, ça c'est un beau combat. Le prêtre beau combat, chasseur. Ouais. Ok. Ça veut dire que c'est Yogg pourri chasseur, non? Bah, logiquement, ouais, il te fait du Yogg, ouais. Ouais. Après, c'est pas. Moi, ça aurait du sens. Oh que ce mon soit... dieu! Mon dieu, mon dieu! Moi, ça aurait du sens que ce soit Katoon, ouais. T'as une mauvaise main de départ? Bah, en fait, non, j'ai. Ne craignez pas la mort. Vos serviteurs rempliront leur office suivant ou pas. Échangez vos serviteurs contre ceux de la grande faucheuse. Vous finirez par écraser. Oh mon dieu, pourquoi il dit ça lui? Soignez vos serviteurs pour leur permettre de vivre jusqu'à l'avènement de l'effroyable Setoun. Toi aussi, c'est Ah, c'est pour toi en fait. Ça? Toi, ouais, tu joues Setoun et moi? Et moi, je dois aller heal. Et toi, tu jouais quoi du coup? J'ai plus. Nous, on a appris à jouer aux cartes, on a jamais appris à lire, hein. Enfin, personne nous a dit. Ah, hein. Moi, j'ai joué que. Moi, je fais en fonction des images. Ah, c'est vrai que les contre, images. J'ai jamais vraiment lu les cartes en fait. Lui, je sais compter. Jusqu'à 3. Jusqu'à 27. Jusqu'à 27. Je sais lasser mes chaussures deux par deux. Pas les lacets, hein, les chaussures entre elles. Et tu sais compter à l'envers et dire l'alphabet en sautant à cloche-pied. C'est ça ou pas? Je crois que c'était dire l'alphabet à l'envers la phrase d'enfant là. Ouais, je crois que c'est ça. Il a tout franchement, tu vois, ça c'est des bonnes stats hein, pour un tour 3. Mais ça c'est une bonne réaction pour un autre tour 3. Non mais là t'inquiète pas que en gros. Le tracker du lugubre. Le tracker du lugubre, il a fait la différence? Bah, je l'ai. Oh là 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 là. Je l'ai fait dans 3 savannas quand même. Non, sérieusement? Non, c'est pas vrai. Ça aurait été trop. Non, je l'ai fait dans 2 savannas, no joke. Ça aurait été beau quand même. C'est ouf, hein, quand même. En vrai, enfin, cette carte elle est bien, mais que à ce moment-là. En tout cas, elle était bien. 4-3, c'est pas évident pour toi à gérer. Ouais, bah, on va faire un truc, c'est qu'on va pas le gérer. Oh mon dieu, t'es tellement pas bien. Ding 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 ding. Ça va faux, ça va, on va aller. Il a tout. Ah bah t'es le main. Il a que tout. Là je pense que je peux pas perdre en vrai. Déjà à la base le chasseur mid c'est le counter du prêtre. Bien sûr tu vas perdre. Mais en plus avec cette main mais, comme dirait Proto mais... Mon dieu. C'est toi qui dis ça. C'est au coup. Ah oui c'est vrai. Cette main est awkward. Ah, t'as vraiment que des savannas en fait, c'était pas une joke. Non, j'ai vraiment que des savannas. Là, j'ai une armée de savannas.
Bah tiens, regarde, ça c'est la première. Elle a mangé. C'est pas lâcher les chiens, c'est lâcher les savannas, mon truc. Ok. Déjà, c'est embêtant. Fort embêtant, n'est-ce pas? On se fait pas mal, on se fait pas mal en vrai. Ouais, vraiment. 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 Ça va être compliqué en vrai. Ah, ça allez, va. Ça va numéro 2? Non, ça, c'est, ça vient du top deck ça. Le petit tir réflexe parce qu'on a peur de la pioche. Tarlouze. Ouais, j'ai peur de la pioche en fait. Exactement. En tout cas, ma savana elle est 8-7 maintenant. Ah oui, c'est vrai. What the fuck. Ça coûte 3 ça pour c'est une 4-2. C'est pas une mauvaise carte en soi. Hein. C'est un Huffer qui attaque pas quoi. Mais il est fait. Bah, c'est en un fait, Huffer avec, qui attaque. Je pense qu'en wild c'est une bonne carte le tracker lugubre. T'sais, avec toutes les rampantes et tout. Ouais, bah ouais. En wild c'est une super carte. Oh. Docteur 7 ma gueule. On curve. Oh sérieux t'as tout toi. T'as tout en 10 fois. Non c'est 2. Ok. T'as un savane à 25-25 là. Pff, t'as pas ensevelir quand même. Ça serait bien. Ce serait un joli bah, top deck. Quand même. Je ferais pas ça. Ça aurait été un joli top deck. Je ne ferais pas ça. Tu prends 2-0 par l'outil. C'est comme si tu te coupes la main et derrière tu mets du piment d'Espelette sur le moignon. Ça n'a aucun sens. Ouais. Attends, est-ce qu'il y a un autre play à faire? Qu'est-ce que je veux faire? Oh. Ok. Boum! Non, sérieux! Mais oui! Pardon. Mais il crie, mais oui! Mais oui! Il a raison! Qu'il mange du pain! Ah, mais c'est pas Raldagoni ça. Oh mon dieu, ça marche. Oh putain, je sors déjà la vignette que je vais faire sur cette vidéo. Lutti roule sur Fichou. Non! Je vais me mettre dans un petit track, un petit truc comme ça là. Une petite cage de singe. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette main? Ok. Non, mais là t'as tout en vrai. Soit t'as tout, toi, soit t'es extrêmement doué à ce jeu vidéo. Moi je préfère la deuxième phrase. Attends, c'est chaque fois qu'un personnage. Oh, bah les steaks alors. Ok. Où tu vas manger? Bon, je trade là, je trade là, je trade là, parfait. Tout est mieux dans le meilleur des mondes. Tout est mieux dans le meilleur des mondes. On commence par ça, la maison vous propose. La oh. Maison vous propose. Tu le raccroche ou pas? Ça c'est bon ça. T'es bon ça ouais. Est-ce que tu crois... Ah, bah, ah non, parce qu'il doit y avoir que les cartes de Zergold, donc ça doit être... Il doit pas y avoir les cartes de JVG et tout, on n'a pas vu de cartes... de JVG. What? Ok. La 6-5 dedans. Ah, je fais juste trade, je pense que c'est comme ça que tu peux gagner dans ce match-up. Ouais, je suis d'accord. Trade. Puis là, t'as pas certainement pas une deuxième Nova a priori. Non, clairement pas. Ouais, ça va, c'est pas Nova. Ça va, c'est pas Nova. Ils font un givrant. Ah, presque. Oh putain! Attends, ah, attends! Bien joué! Ah, je t'applaudis des deux mains en plus. Hein. Des deux mains! D'habitude, je le fais que d'une main, mais sur le front, là, je le fais des deux mains. Sur le front. T'imagines le mec, t'es sûr, tu vas à un opéra concert très important. Il fait... Le mec il se met des claques comme ça. Bon, alors du coup, j'ai roulé sur Fichou. Ce bras de fer est plutôt sympa, donc bah permet juste d'avoir des decks quasiment construits. Alors que d'habitude, en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas des decks construits, ça fait un deck construit c'est automatique. C'est agréable. Non, en vrai, c'est du low cost en fait. Enfin, c'est du low cost. Non, bah, justement. C'est pour les gens qui n'ont pas les cartes. Ouais, exactement. C'est ça en fait. C'est genre au final, si vous n'avez pas acheté, bah ça vous donne un petit c'est peu un avant-goût de ce qui se passe sur ce système. Ouais, c'est assez sympa. Donc du coup, ce qui se passe, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, voilà, quelle est à votre avis la meilleure classe. Et du coup, nous, on cut la vidéo, on dit au revoir et on se retrouve avec la revanche sur la chaîne de Fichou. Yep, revanche. Et là, vu que ce sera sur ma chaîne, évidemment, sur la chaîne de Géo, je peux me permettre de faire de perdre contre Lutti, évidemment. Des erreurs, je dirais des petites défaites, mais sur ma chaîne, 100% win rate.